Alléluia. Alors souviens-toi bien de ces trois aspects des cieux dont j'ai parlé lorsque le ciel est fermé, parce que ça marque un peu la forme de prière que tu dois faire. Car qu'est-ce qui ouvre le ciel? Comment est-ce qu'on ouvre un ciel fermé en règle générale? Alléluia. Maintenant après, on va détailler avec la façon dont Dieu veut que tu pries, la manière dont l'Esprit du Seigneur veut que tu pries. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 21. L'évangile selon Luc, chapitre 3, verset 21. Il est dit, tout le peuple, lisons ensemble les trois. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. La clé pour ouvrir le ciel, c'est la prière. D'abord la prière. La prière. Amen. Et maintenant, après, maintenant vient le comment tu vas prier. Mais c'est d'abord la, Le ciel n'est pas du ressort de la sagesse humaine, de l'intelligence des humains. Non. Jésus dit, la Bible dit, le ciel était fermé sur Israël. Pourquoi la Bible dit le ciel était fermé? Leur ciel était fermé en mode révélation. Il n'y avait plus de prophétie. Il n'y avait plus de parole. Il n'y avait plus de direction de Dieu. Les prophètes n'avaient plus de songes et de visions. On voit cela par exemple en Israël, en 1 Samuel chapitre 3. Lorsque Dieu a suscité le prophète Samuel, la Bible dit qu'il n'y avait plus de songes. Il n'y avait plus de visions. Le ciel était fermé. Quand le ciel est fermé, j'oublie de dire, il n'y a plus de grâce. La vie n'est pas facile. Alléluia. Il n'y a pas de faveur. Quand le ciel est ouvert, c'est la bénédiction en abondance, c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est de faire les choses avec beaucoup plus de facilité. La grâce, c'est quoi? C'est que tu sèmes tu moissonnes, c'est-à-dire beaucoup plus que tu n'as semé. La grâce, c'est de faire les choses avec facilité. Quand le ciel est ouvert, tu demandes à Dieu pardon, tu es vite pardonné. C'est-à-dire la miséricorde est en place, le pardon en place, la faveur de Dieu en place, que ton ciel s'ouvre dans le nom de Jésus. Alléluia. J'oublie encore une chose. Un ciel peut être fermé de manière localisée ou de manière générale. Il faut savoir ça. Jean 1, 51, Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas le ciel est ouvert partout. Sur Jésus, le ciel est ouvert. Donc tu as intérêt de te coller à lui pour pouvoir profiter de la pluie qui vient sur lui. Il dit, vous verrez désormais le ciel est ouvert. Il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Où ça? Est-ce que c'est sur la terre? Ah bon, c'est sur le Fils de Dieu. Alléluia, sur Jésus. Amen. Donc ton ciel peut être ouvert pendant que dans ton quartier le ciel est fermé. Et puis on a des cieux fermés générales qui peuvent être relatifs à un quartier, à une zone, à une famille. C'est comme si le ciel de la famille est fermé. Il y a des cieux qui sont fermés dans une famille. Le ciel est fermé côté marital. Personne ne se marie. Tous ceux qui se marient divorcent. C'est-à-dire, mais leur ciel est ouvert côté argent. C'est-à-dire, côté argent, ils ont un ciel ouvert. Côté famille, leur ciel est fermé. Il y a des gens, côté argent, le ciel est fermé. Côté amour et enfant, le ciel est ouvert. Le gars, il est dans la galère, mais il a 15 enfants. Son ciel est trop ouvert. Son ciel est ouvert. Amen. Côté enfant, là, son ciel est ouvert. Mais le ciel financier, là, depuis là, lui, il ne veut pas s'ouvrir. Donc, plus il a des enfants, plus la galère augmente. Ce mois-là, dans le nom de Jésus, que tous les cieux soient ouverts. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu ouvre tout type de ciel sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand un ciel est fermé sur le plan financier, ça peut être quand c'est général, par exemple, c'est dans le pays, vous sentez que tout le pays c'est difficile. Là, ce n'est pas localisé, mais c'est difficile pour tout le monde. Là, c'est un ciel fermé général. Sur la terre en ce moment-là, sur le plan de la santé, le ciel est fermé. C'est-à-dire c'est compliqué. Il y a beaucoup de morts et de maladies. Alléluia. Amen. Bon. Est-ce que le ciel est fermé généralement ici? Hier, j'ai demandé aux gens, ils ont dit non. En généralité, ils croient que... Bon, qui sent qu'il a une fermeture localisée ou généralisée? Les localisés, levez la main. Ciel fermé, localisé. Tu sens que ton voisin est béni, mais la bénédiction te saute quoi? Les localisés, levez la main. Ceux qui sentent qu'ils subissent une galère généralisée dans un domaine. Quand la galère générale, ça dit que ce qui t'arrive, ça arrive à ta soeur, ça arrive à ton frère, ça arrive à... En fait, vous tous, vous êtes dans la même situation. Ceux qui sont comme ça. Alors, quelle que soit la forme.
Que le ciel s'ouvre sur ta famille, que le ciel s'ouvre sur ta maison, que le ciel s'ouvre sur ton peuple, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre dans ce mois d'octobre au nom de Jésus. Seigneur, c'est ce dont tu nous parles, parce que tu vas ouvrir notre ciel au nom de Jésus. Alléluia. Alors, quelle que soit la forme du problème, localisé, généralisé, dans un domaine spécifique, dans plusieurs domaines, la clé, c'est d'abord la prière. La prière, la prière. La Bible dit, pendant que Jésus priait, ce n'est pas dit pendant que Jésus dormait, ce n'est pas pendant que Jésus mangeait. Vous allez voir tous les passages qui parlent de ciel ouvert. Il n'y a pas une autre activité qui est faite si ce n'est pas la prière. Même lorsqu'on dit apportez vos dîmes et vos offrandes, mais il dit d'apporter ça aussi dans la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est la prière. C'est-à-dire, même l'offrande, il faut l'apporter dans un esprit de prière. Il dit, quand tu vas faire ton offrande, que tu ne fais pas ça dans le lieu secret. Or, quand Jésus parle du lieu secret, c'est la prière. Alléluia. Il dit, quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. Et puis il dit, quand tu fais ton aumône, fais-la dans le lieu secret. C'est lié à la prière. C'est-à-dire, il ne s'agit même pas de venir donner. C'est qui ouvre le ciel. C'est l'atmosphère de la prière. La Bible dit, pendant que Philippe priait, ce n'est pas après la prière, ce n'est pas avant la prière, c'est pendant. Le ciel s'ouvre pendant qu'on prie. Tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Amen. Il y a des personnes qui profitent de cieux ouverts pour tout le monde. C'est-à-dire, quand le ciel est ouvert dans un endroit, on n'a pas besoin de beaucoup prier. Tu penses même que tu es exaucé. Tu penses. Tu dis, si je voyageais. Quand par exemple, tu as un ciel ouvert côté professionnel, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de jeûner pour avoir du travail. Dès qu'ils pensent, oh Dieu, ce boulot-là ne me plaît plus. Donc ils disent, ça ne me plaît plus. Ils ont même pensé, le lendemain, il y a au moins 20 offres. Veux-tu travailler ici? Veux-tu travailler là? Voilà. Son ciel est ouvert côté professionnel. Mais la même personne, elle peut être en train de jeûner pour trouver son mari. Sur le plan marital, son ciel est fermé. De l'airain costaud, épais. Allez, qu'elle fait ce coup. Vous allez dire, tu sens que le ciel est épais. Mais quelle que soit l'épaisseur, aujourd'hui, Dieu ouvre ton ciel au nom de Jésus. Dieu ouvre ton ciel au nom de Jésus. Alléluia. Alors, quand tu sais que tu n'as pas besoin de trop prier pour avoir du travail, mais que côté marital, ton ciel est fermé, mon frère, il ne faut pas dire, mais je ne comprends pas. Le Dieu qui m'exauce facilement professionnellement, tu dois prier. Prie. Alléluia. Tu dois prier. Il faut la prière. Il faut la prière. Ne dis pas non, mes voisins qui sont là n'ont pas besoin de prier. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a ouvert leur ciel. Et puis eux, ils n'ont pas besoin de prier. Tu dis, ma copine, elle ne prie même pas, elle ne vient pas à l'église. Et puis ça marche. Peut-être que c'est son grand frère qui a prié pour elle, il a ouvert son ciel. Donc tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie d'une personne. Il y a des parents qui profitent du ciel ouvert d'autres personnes. Tu ne peux pas te comparer dans une affaire de ciel ouvert ou ciel fermé. Tu ne peux pas te comparer avec une personne. Chacun a sa vie. Il y a des cieux qui sont ouverts de manière localisée. Il y en a qui sont ouverts de manière générale. Il y a des gens qui ouvrent le ciel sur leur famille, qui posent des actes et Dieu se lève et puis dit dans cette maison là, ils ne manqueront pas de mariage. Ils vont trouver du travail. C'est quelqu'un qui a payé les prix. Le ciel s'est ouvert sur cette famille. Mais toi, tu dois constater que tu as un ciel fermé sur le plan social. Tu dois où est ton ciel qui est fermé et tu dois comprendre. Que dans ce domaine, toi tu ne peux pas te permettre de penser. Tu ne peux pas te permettre d'être là. Oh, je souhaite qu'un jour. On n'a pas dit pendant que Jésus souhaitait. Arrête de souhaiter. Prie. Alléluia. Tu manges trop. Prie. Tu penses trop. Tu raisonnes. Tu analyses. Prie. Maintenant, comment, quel genre de prière? En règle générale, c'est la prière fervente. La Bible dit, du temps du prophète Élie, le ciel était fermé. Et Élie a prié. Et le ciel s'est ouvert. On voit ça dans Jacques chapitre 5. La Bible dit, Élie a prié avec, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres, pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Pour ouvrir un ciel. Pour ouvrir un ciel. Ce n'est pas des prières de frimeurs. Oh Dieu. Ma vie est compliquée un peu, hein? Viens dans ta grâce, dans ta miséricorde. Accorde-moi du travail. Attends, tu plaisantes ou quoi? Est-ce que tu connais la situation? Attends, mais tu t'amuses, tu prends la.
Alléluia. Amen. Le ciel était fermé. La Bible dit quoi? La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ramène-moi le texte de Jacques 5. Il a dit quoi? Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Bon, oui, efficacité. Verset d'après. La suite. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, lui aussi, il avait faim. Il était un homme de la même nature que nous. Il était comme toi. Il avait ses propres défis. Mais la Bible dit, il pria avec instance. C'est ce qu'on appelle la ferveur. Et pour qu'il ne plût point et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On arrive, on continue. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre. Il a prié avec instance. Et quand tu lis le texte dans le livre de 1 Roi 18, la Bible dit, il est monté sur la montagne. Il s'est mis à genoux. Il a mis la tête entre les jambes. Et il a commencé. Dieu, Dieu. Lui-même. Est-ce que tu sais que pour fermer le ciel, Élie n'a pas beaucoup prié. Pour fermer le ciel, Élie est venu, il a vu le roi Akab et puis lui a dit, il ne va plus pleuvoir, sinon à ma parole. Mais lui-même qui a fermé le ciel. Pour aller ouvrir le ciel, c'est Élie qui est venu fermer, hein, c'est Élie. Il a vu le roi, il dit, monsieur le roi, depuis là vous pêchez à gauche, à droite. J'ai dit, je ferme le ciel, il ne va plus pleuvoir ici, sinon ma parole. Allons-y. Maintenant, le roi dit, prophète, pardon, prions, pour ramener la pluie là. Il n'est pas venu s'arrêter sur les nuages. Pluie, je t'avais dit de partir. Reviens. Et puis il est parti à la maison. Non. Il a chassé tout le monde. Il est monté. Parce que ouvrir un ciel, fermer c'est facile. Mais ouvrir. Alléluia. Pour fermer là, c'est facile. Tu es un peu orgueilleux, tu fermes. Tu es méchant, tu fermes. C'est-à-dire que tu es. Le fermer là même, c'est. C'est facile, fermé là. Tu ne comprends pas même. Par accident, même le ciel se ferme. Mais pour ouvrir, tiens, voisin, pour ouvrir. Alléluia. Pour ouvrir, il faut prier. Pour ouvrir, il faut prier. Il faut t'élever la nuit, il faut prier. Il faut prier. Il faut que tu prends ta famille, tes frères, tes soeurs. Tu viens devant Dieu. Tu dis, papa, le ciel est fermé sur notre famille. La pauvreté nous poursuit. Depuis des années, nous sommes comme ça. Arrête de regarder tes voisins. Dis, Jésus a béni mon frère, ma soeur. Mais tu ne sais pas quel est le degré du ciel. Peut-être qu'il y avait une petite couche. Donc, eux, là-bas, ils ont fait un petit jeûne. Et puis, le ciel s'est ouvert. Ils sont venus, ils ont fait 2 offrandes. Le ciel s'est ouvert. Toi, tu fais offrande. Depuis là, ça ne s'ouvre pas. Tu as prié, ça ne s'ouvre pas. Frère, l'épaisseur de ton ciel, là, c'était. Lui, c'était André, un papier. Il a fait comme piou. Et puis, c'est pressé. Il dit, hey, le ciel est ouvert. Mais là où Dieu veut que tu combattes. Et c'est vraiment important. Parce qu'en fait, l'épaisseur de ton ciel fermé détermine le niveau de prière que Dieu veut que tu aies. Ça va te servir toute ta vie. Ça paraît qu'être une perte de temps, mais ce n'est pas une perte de temps. C'est une école de Dieu. Dieu t'apprend à ouvrir le ciel. Parce que tu seras confronté à des défis pareils. Tu vas devenir un spécialiste de ciel ouvert pour les cas des familles pauvres. Quelqu'un qui a souffert la misère. Le ciel était fermé par rapport à la misère. Lorsqu'il l'ouvre, il pourra dire désormais, le ciel est. Comme Jésus a dit, Jean 1,51, il dit désormais, le ciel est ouvert et je vois les anges monter et descendre sur. Mets ton prénom à côté. Le ciel, monter et descendre sur qui? Voilà. Une fois que le ciel est ouvert sur toi, par rapport au problème que tu as géré, sur toi, là, le ciel est ouvert de manière localisée, partout où tu passes. Si tu as ouvert un ciel de galère et tu l'as ouvert, tu vas l'ouvrir pour beaucoup de personnes. Quand tu arrives dans les endroits, tu n'as qu'à faire une petite déclaration. Je bénis ta vie, mon frère. Sors de la misère. Les gens vont sortir de toi parce que tu as souffert la pauvreté et tu as prié pour ouvrir. Tu as souffert des problèmes affectifs. Le ciel était derrière sur ta famille, mais tu as prié. Mais il faut savoir que c'est une prière avec insistance. Ça veut dire quoi avec instance? Ça veut dire avec ferveur. Ça veut dire quoi avec instance? Ça veut dire insistance. Ça veut dire je parle, ça ne marche pas. Je reviens encore. Je prie, ça passe. Je prie, ça ne passe pas. Je prie, je prie. Je prie, je prie, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Je suis devant Dieu et je prie. Dis à un voisin, prie. Prie. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu prends ta douche, au petit déjeuner, à la fin du petit déjeuner, sur la route du travail, même dans ton rêve,
tu causes avec tes amis. Prie. La prière ouvre le ciel. C'est la prière qui ouvre le ciel. Alléluia. C'est la prière qui ouvre le ciel. C'est la prière. C'est la prière. Les gens qui ne prient pas ne peuvent pas ouvrir le ciel. Les gens qui ne prient pas avec la ferveur. Il y en a qui prient mais pas ferveur. Il y en a qui prient mais ils n'insistent pas. Ils ne peuvent pas ouvrir le ciel. Hier, je disais aux personnes qui étaient là malades, je dis, mes amis, il y a eu tellement de miracles ici, je les ai fait prier. Je dis, on va prier avec instance. On va prier. Nous, si on va prendre quelques minutes, on va prier. Amen. Pas des prières des frimeurs. Tu vas prier. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Amen. Il y a des prières qu'on peut s'autoriser quand un ciel est ouvert. Quand un ciel est ouvert, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Oh Père, merci pour la santé. Papa, ton fils veut ceci. Le ciel est ouvert. Les anges font ça comme ça. Quand le ciel est fermé, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça ne passe pas. Tes amis disent merci, toi tu dis merci. C'est comme si ton merci n'allait nulle part. On te dit quand tu vas venir à l'église, tu vas louer, tu danses. Là, le ciel ne s'ouvre pas en dansant. Tu dis non, quand j'ai dansé pour Jésus, le ciel ne s'ouvre pas en dansant. Amen. Le ciel s'ouvre dans la prière insistante, persistante. Pas des prières, pas bon, on s'amuse. Il faut prier, il faut s'enfermer. J'ai dit, oh frère, j'ai dit, mais pourquoi vous guérissez facilement? Vous savez la nuit ce que j'ai fait. Je suis monté, je ne sais pas qui va venir dans la salle. Donc j'ai dit, Jésus, tu les connais par leur nom. Tu sais qui va suivre ce culte, tu sais qui va venir. Tu connais pas son nom, je t'en supplie. Sauve-la. Et je vais me réveiller comme ça, 3 heures du matin, dans les yeux de midi, depuis 3 heures. Donc Jésus, étends ta main. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont des problèmes, il faut les sauver, il faut ouvrir le ciel. Si tu me donnes de parler de ces messages, Jésus, si c'est ce que tu as mis dans mon cœur, c'est que tu t'apprêtes à ouvrir le ciel. Mais ce n'est pas parce que Dieu s'apprête à ouvrir le ciel que c'est automatique. Élie savait que Dieu allait vouloir faire venir la pluie. Élie savait, Dieu lui a dit, Dieu a dit à Élie, le temps est arrivé, je ramène la pluie. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a annoncé qu'il amenait la pluie qu'il n'a pas fait la prière avec instance. Dieu m'a dit, je vais t'utiliser pour guérir les malades. Mais je sais que les gens qui sont malades là, il y a des gens, c'est parce que leur ciel est fermé. Il y a des gens, c'est leur village qui est sous malédiction. Je ne sais pas quels sont leurs problèmes. Donc, moi, je profite de mon ciel ouvert, miracle, guérison, pour monter. Un jour, les gens ont trouvé Jésus qui s'est levé à 4, qui s'est levé très tôt pour aller prier. On dit, mais pourquoi tu es sorti de ta chambre? Il dit, je suis parti pour prier. Parce qu'on s'en va évangéliser. On sera évangélisé. Les miracles, les prodiges, les choses que vous voyez, Dieu pourvoit, on dit on va au Libéria, là, tout le monde est content. Ah, on va. Ah, notre pasteur, il est bien. Voilà, là, tu vois, c'est 3 heures du matin, j'ai fini le culte, je me suis endormi vers minuit. Je me suis levé à 3 heures. Et puis, je suis debout. Et je vais enchaîner 3 cultes. Et après, je vais recevoir les gens. Après, j'ai un programme avec les jeunes. Je suis à genoux, je prends ton nom. Je ne connais pas les noms. Je dis, Seigneur, tu les connais tous. Rikata, sauve-les. Toi, est-ce que tu pries même? Non, toi, tu es assis comme ça, tu crois que quoi? Tu es là, la vie est simple. Tu te réveilles des prières de 10 petites minutes le matin. Mon Dieu, qui est comme toi? Alléluia, la journée est bénie. Attends, est-ce que tu vois pas que tes journées sont de moins en moins bénies? Je sais que tu es vivant, qu'un jour tu viendras. Attends, est-ce que tu pries? Non, je ne comprends pas. Dieu a un plan pour moi. Mais le plan, là, Dieu a dit à Élie, je vais faire venir la pluie. Ça s'appelle le plan. Ça s'appelle le plan de Dieu. Mais pour que le plan s'active, Élie savait que le ciel était fermé. La Bible dit, il a mis la tête entre les genoux. Il prie. Il dit à son fils spirituel, va voir. Le petit va regarder. Il n'y a pas de nuage. Il revient. Il prie. Il dit, va voir. Il a fait ça 7 fois. C'est ce qu'on appelle avec insistance. Ce qu'on appelle avec insistance. Alléluia. Et ce qu'on appelle avec insistance. Amen. Là, comme ramenez-moi mon schéma. Amen. Premièrement, on va voir la prochaine fois. Vous avez, en fait, vous avez 3 niveaux de ciel. Voilà à peu près ce que c'est. Vous avez le premier ciel. Et tout ça, c'est biblique. Hein? L'apôtre Paul dit, par exemple, je connais un homme qui a été enlevé au troisième ciel. Il dit, il était enlevé au troisième ciel et il a vu des choses extraordinaires. Donc la Bible nous parle de 3 cieux. Alléluia. Alléluia. Mais ça, je vais le développer plus tard.
En fait, le niveau de fermeture peut être au niveau du premier ciel. Le niveau de fermeture peut être au niveau du deuxième ciel. Et quand tu arrives dans le troisième ciel, ton ciel est percé, est ouvert. Ok? Donc, quand vous priez dans la chair, vous voyez la première vague là, c'est la chair. Ça, c'est un prieur. Quand vous priez dans la chair, vous passez par le premier ciel. Le ciel est fermé niveau premier ciel. C'est-à-dire, il est bloqué même déjà, même les deuxième ciel, c'est là où il y a beaucoup de démons. C'est là-bas qu'ils sont. Le ciel, la prière se bloque. Alors, ce sont des gens de prière qui... Ce n'est pas des prières ferventes. Tu pries, tu es trop distrait. Tu n'es pas concentré dans ce que tu demandes. Tu n'es pas profond. Tu pries. En même temps, tu penses, tu es là. Oh, je prie. Oh, j'ai un peu faim. J'ai un peu faim. Je vais aller manger. Après, tu viens. Tu as ton biscuit à côté de toi. Tu as ton petit truc. Et puis, tu bois un peu. Tu pries. Oh Dieu, qui semble à toi. Ça là. Te voilà ici. Amen. Premier ciel. Les charnels. C'est quelle prière ça? Tu t'amuses ou quoi? Ce sont les prières où vous êtes distrait. Ce sont les prières où vous êtes concentré. Vous n'êtes pas concentré. C'est de ça que Jésus parle en disant, quand tu pries, entre dans le lieu secret. C'est-à-dire, sois profond, sois sincère, prie avec sincérité. Arrête de prier, non, si Dieu veut, il va le faire. Si Dieu veut, Dieu veut. Dieu veut, mais le ciel est fermé, il faut l'ouvrir. Alléluia. Or, c'est la prière. La Bible dit, Jésus, fils de Dieu, le ciel était fermé, mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient en prière, Luc 3, le ciel s'ouvrit. Et c'est là que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Depuis là, Dieu voulait parler, mais il ne pouvait pas parler. Parce que le ciel était fermé. Quand Dieu parlait, c'était bloqué en haut là-bas. Dès que le ciel s'est ouvert, Dieu a attendu témoignage. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus et il a pu commencer à opérer. Tous les hommes, y compris le Christ, ont ouvert le ciel. On ouvre le ciel. C'est important, sinon ta vie est trop compliquée. Tu marches parce que d'autres personnes ont prié pour toi. Tu arrives dans une église qui est bénie, le pasteur a prié, les gens ont prié, le ciel est ouvert. Donc tu peux profiter de la faveur. Mais quand tu quittes le local, tu fais comment chez toi à la maison? Tu fais comment pour ton village? Tu fais comment pour ta famille? Tu peux venir profiter de la présence du culte parce que on a des occupes de prière. On a prié 24 qui est là. On a payé 24. On prie 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Pourquoi quand tu viens ici, tu sens la présence de Dieu dans la salle, dans l'église? Dès que tu passes la porte, tu sens qu'il y a quelque chose. Vous êtes pas ça? La présence de Dieu. Mais on prie 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Il y a un coin là-bas. À 3 heures du matin, il y a des frères qui sont en train de supplier Dieu. 24 heures sur 24. Et maintenant, on a mis la prière 24 en ligne. On prie 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Pourquoi Dieu m'a demandé de faire ça? Parce qu'on est dans une période difficile. Les démons ont envahi la terre. Ils veulent tout détruire. Ils sont en train de fermer. L'Esprit m'a dit, tu dois maintenir un hôtel de prière. Garder le ciel ouvert. Sinon, ça sera compliqué. Le nombre de morts qu'il y a eu par le vide zéro, ça a été démultiplié. Il faut des gens qui maintiennent la lampe allumée. Les ténèbres sont intenses. Il faut qu'on garde la lampe allumée. Il faut qu'on garde la lampe allumée. Et je t'encourage à participer à ces guerriers de prière, à venir physiquement prier ici, à rentrer en ligne pour que toi aussi tu donnes de ton heure. Parce que ce n'est pas des gens seulement qui vont prier pour que toi tu profites. Alléluia. Donne-moi le chemin, on va terminer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut prier? Alléluia. Donc il ne faut pas prier de manière distraite. La prière fervente est une prière où on est concentré. On prie. On prie. Quelquefois tu es obligé de brutaliser ton corps, surtout quand tu as sommeil. Le matin quand tu te réveilles, le sommeil. Amen. Tu es là, tu t'élèves, tu marches. Quelquefois, même tu fais la prière sous la douche pour te réveiller. L'eau te mouille. Jésus sauve cette maison. Jésus sauve là. Mais ton corps bouge, mais ton esprit est parti au ciel. Qui est comme toi, papa? Sauve cette maison. Étends ta main. Étends ta main. Quand vous priez, vous savez que vous n'avez pas péché. Dieu vous a tout pardonné. Quand vous priez, vous ne savez pas quel est le problème. Vous expliquez, papa, mais restez en prière. Ne dis pas, j'ai demandé hier, pourquoi c'est pas venu? Non, c'est la prière avec insistance. Insistance. Je parle, je finis encore, je demande encore, je lève encore le nom de Jésus. Je glorifie son nom. On ne dort pas dans cette prière. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un frère. Il était en train de prier, il avait sommeil. Et dans le sommeil, il est là, il priait. Et en fait, il avait faim même. Il avait faim et puis il s'est endormi dans la faim. Un moment, il priait. Et un coup, il a commencé comme ça. Frites, poulet. Son voisin est venu la toucher. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Quelle frite poulet? Alléluia. Il ne faut pas faire des prières frites poulet. Dis à un voisin, on ne prie pas frites poulet. On prie. Les prières frites poulet,
ne passe pas le premier ciel. Amen. Et il y a des prières. Ton corps est en mouvement. Ton corps est en mouvement. Mais quand tu pries, tu es beaucoup plus dans l'âme. L'âme, c'est la réflexion, c'est ton mental. Tu es dans l'âme. C'est-à-dire, il y a des gens qui prient, ils raisonnent trop. Ils expliquent dans leur esprit. Et puis, ils sont distraits, mais dans leur âme. Ils sont tristes ou joyeux, ou bien ils raisonnent. Est-ce que Dieu peut faire ça? Ça, ça leur passe. Ceux-là, ils arrêtent au deuxième ciel. Les démons viennent embrouiller leurs pensées. Je vais revenir là-dessus, tout ça. Et puis, il y a la prière en esprit, dans le lieu secret, qui ouvre le ciel. Et elle arrive au ciel. Elle permet aux anges de commencer à descendre et de venir apporter la pluie et de venir apporter la faveur et de venir apporter les grâces et de venir apporter ce que Dieu a promis. Ouvre ton ciel. Désormais, dit Jésus, vous verrez le ciel ouvert. Dis avec moi, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Tu vas dire ton prénom. Vous verrez le ciel ouvert. Et les anges montent et descendent sur... Tu dis ton nom. On va se tenir debout, on va prier. Rekatarianda bradasa. Tu vas battre les mains. Je ne sais pas sur quoi ton ciel doit s'ouvrir. Mais pendant que je prêchais, tu as senti ton ciel devait s'ouvrir. Tu bats les mains, rentre dans un moment, prie en langue, élève le nom de Jésus. Mais viens devant le trône de Dieu. Ce mois, nous allons prier. Nous allons prier. Nous n'allons pas simplement enseigner. Nous n'allons pas simplement expliquer. Nous allons aller ouvrir le ciel. Le ciel ne s'ouvre pas pendant la prédication. Le ciel s'ouvre pendant la prière. L'enseignement te montre comment prier. Mais tu dois prier. Tu dois prier.